Eric Lochu, nous sommes au Mas Fabreg et nous sommes là pour les Fabregades. Eh oui, mais l'histoire des Fabregades. Expliquez-nous un petit peu. Que je raconte des Fabregades. Racontez-nous. Alors, on va faire très court, environ une heure et demie. Non, je plaisante. Alors, les Fabregades, mois de juin, cigale, presque, soleil, sûr. Dans tous les cas, pour les Fabregades, c'est réception au bord de la piscine, dîner spectacle. Beaucoup de loisirs artistiques, plein de musique, d'artistes locaux ou ailleurs, peu importe, ce qui compte, c'est d'organiser ici des soirées avec des thèmes essentiellement basés sur le jazz, la variété et tout ce qui peut faire plaisir au niveau de la musique. Voilà. Ça, c'est les Fabregades. Il y aura la soirée du 11 juin et celle du 25, qui est une autre forme d'idée avec une soirée blanche, qui est tout à fait particulière, parce qu'ici on n'en a jamais fait. Et donc, première chose à retenir, le 11 juin, à 20h, dîner spectacle près de la piscine. Alors, à côté de moi, j'ai deux personnages. Il y a Bruno, il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis, il y a Bruno, qui fait partie, lui, donc, du groupe les Salami Swing. Il va en parler deux, trois mots tout seul. Et puis, Aimé, vieux de la vieille, pionnier. Et qui, lui, m'aide beaucoup en tant que collaborateur pour essayer de trouver aussi les artistes. Voilà, alors je passe la parole à Bruno, parce que... Alors effectivement, il faut bien, hein. Moi je représente le groupe Salami Swing, donc on joue le 11 juin, donc c'est pour la première de cette saison. Si de la saison, oui. Si je ne me trompe pas. Donc nous, on est un petit groupe de musique localement, donc on joue... de la chanson française, Brel Brassens en reprise. On a également des créations musicales, de la composition. C'est avec un très grand plaisir qu'on viendra jouer dans cet espace qui est très accueillant et qui est vraiment avec la piscine et tout. Ça va être et quand il y aura d'autres encore d'ailleurs. On pourra se baigner, pas avec la guitare, alors brancher. Ouais. Hein. Avec ou sans palme, mais ça marche pas. C'est vrai, oui. Donc en fait, je pense qu'on va passer un bon moment parce que l'an dernier, on a eu, on va dire, à peu près 80 personnes. J'espère en avoir le double ou le triple. C'est vrai que ça sera très bien, mais il faut que l'idée se fasse. Elle est en train de se creuser. Et petit à petit, on aura beaucoup plus de monde. Je le souhaite. Mais je vois que finalement, on me pose plus de questions que l'an dernier. Donc, allez, on croise les doigts. Il faut y croire. Hein, on est d'accord. Il faut y croire. Allez, on y croit. Bien sûr, on y croit. Voilà. On y croit. Ça marche. Bon, on fera une bonne prière avec un cierge. On fera brûler un cierge, n'est-ce pas, pour le temps. N'est-ce pas? Parce que bon, l'année dernière, c'est vrai qu'on a été un petit peu un début de soirée un peu maudit. Bon. Il y a eu aussi un truc, c'est que l'an dernier, on avait commencé, non pas par un apéritif, parce qu'on ne parle pas de ça, mais on avait fait aussi un piano-bar. Oui. Et c'est vrai que le terme piano-bar, c'est quelque chose de convivial, puisqu'en même temps, ça permet aux gens donc, de venir un moment de détente. Donc, dans la formule, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le côté piano-bar au moment, on va dire, l'apéritif, entre guillemets, hein, et le dîner-spectacle. Mais en plus, il y a une entrée libre pour les personnes qui ne veulent pas dîner et qui peuvent venir. Donc là, profitez-en, c'est pas réservé uniquement au dîner-spectacle. C'est une soirée réservée dans le sens où on peut trouver chacun midi à sa porte avec son idée de faire soit une soirée complète, soit de venir à l'apéro avant. Voilà. Ça, c'est une formule à laquelle je tiens beaucoup. Rendez-vous est pris. Et 25 juin. Si je peux rajouter, et le 25 juin. Si je peux rajouter quelque chose, ça peut permettre aussi d'être un lieu où on découvre les jeunes groupes locaux sur la chanson en général. Et c'est vrai que c'est la rencontre des gens, la rencontre des musiques. C'est l'idée de départ. L'idée de départ. Voilà. Pour regrouper un petit peu les gens qui sont passionnés de musique. Même Eric avait proposé un petit peu, même les gens, les poètes, pourquoi pas. Oui, alors c'est prévu pour l'année prochaine. Donc, mais tout ce qui est culturel, pourquoi pas aussi même. L'année prochaine, on a prévu une exposition de peinture. Voilà, on a prévu l'année prochaine peinture et photographie. Voilà. Sur toute une, enfin sur les saisons par rapport à un lieu. Mais j'en dis pas plus. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, le ciel. L'oiseau, l'oiseau, rien de haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Moi, je bois.